Des muscles flasques après l'arrêt du sport, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que ça peut t'arriver de ton côté? C'est une question que je reçois de manière régulière des filles qui me disent « Ah, ce qui se passe, c'est que je fais mon sport. Je redouble même d'efforts parce que j'ai envie de mincir, j'ai envie de perdre du poids, m'affiner. Est-ce que si demain j'arrête mon sport ou si je le diminue fortement, est-ce que mes muscles vont commencer à devenir flasques, mous, moins toniques? Est-ce que je vais faire du gras ?» La réponse est oui. Malheureusement, pas forcément du gras, j'y reviens dans quelques instants, mais en fait, il faut bien comprendre que ton corps n'a pas de raison de maintenir sa forme physique, sa tonicité, si derrière, il n'y a pas une activité physique qui va lui dire de maintenir cette forme. Tu comprends bien? Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça marche. Si aujourd'hui, par exemple, tu vas descendre ou monter des escaliers, ton corps s'adapte et il a besoin de maintenir une certaine forme, de enlever même le gras en excès qui ne lui est pas utile, pour que tu puisses monter des escaliers convenablement. Mais si demain, tu arrêtes de les monter, si tu prends l'ascenseur, il n'a pas de raison de garder le muscle tonique. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu as compris, mais derrière tout ça, en fait, il y a une réflexion que je veux mener avec toi. Le but de ma vidéo, c'est ce que je vais t'énoncer et j'aimerais ton avis dessus. Des fois, dans la vie, il y a des choses que je fais, non pas parce que je les apprécie, mais parce qu'elles sont nécessaires. Et c'est strictement la même chose, à mon sens, avec l'activité physique. Peut-être que de ton côté, c'est pas quelque chose que tu apprécies aujourd'hui, faire du sport. C'est typiquement le cas d'Eva. Mis à part faire de la danse, il n'y a pas vraiment de sport ou d'autres activités qui fait bouger le corps qui l'attendent. Par exemple, s'entraîner avec moi, faire des entraînements de 10 minutes, un quart d'heure, même si c'est fun, même si on fait des choses qui changent, si c'est adapté par rapport à elle, ça ne l'attend pas du tout. Mais faire de la danse, c'est OK. Mais maintenant, ce que je pense moi, c'est que des fois, il faut aller se bouger. Pourquoi? Un peu comme un parent bienveillant. Qu'est-ce qui fait le parent bienveillant? Eh bien, des fois, il est amené à engueuler son enfant, sa fille, son fils. Pourquoi? Non pas parce que ça lui fait plaisir, mais parce que c'est nécessaire. Et pour la santé, c'est pareil. Aujourd'hui, le message que j'ai envie de t'envoyer, c'est que je ne sais pas qui tu es en train de me regarder, je ne sais pas quelle relation tu avais avec le sport, mais de te donner une certaine routine, non pas pour la perte de poids, mais là, on parle, si on dézoome d'un point de vue santé, ça a tellement de bénéfices de faire bouger son corps. Et aujourd'hui, les autres études l'observent, c'est qu'il est plus dangereux d'être sédentaire, de ne pas bouger, que de fumer des clopes dans ta journée. Je répète, il est plus dangereux, il y a plus de décès dus à la sédentarité, donc tout ce que ça entraîne derrière, que le fait de fumer. Donc, bouge, trouve quelque chose qui puisse te plaire ou même qui ne te plaise pas, mais ça fait rien que tu puisses reproduire, dupliquer à ton rythme. Je ne sais pas, une fois par semaine, deux fois, trois fois, mais les utopistes observent que c'est mieux de faire quelque chose tous les jours, un petit peu, plutôt que, par exemple, faire deux fois par semaine un entraînement qui va durer 2 heures. Et nous, de toute façon, ce n'est pas ce qu'on fait. Si tu me suis, tu sais que dans le challenge de 7 jours, peut-être que tu es en train de le faire, peut-être que tu le fais, je te le mettrai en description juste en dessous. C'est un challenge de sport où on s'entraîne tous ensemble. Moi, je suis là, je transpire avec toi. Il y a d'autres filles, on est 50 000 et on s'entraîne ensemble. On se motive, il y a de la positivité, il y a de la bienveillance. Il n'y a pas de filles qui tirent vers le bas. Dès qu'il y a une fille qui tire vers le bas, il y a la modératrice qui sont là et on envoie à l'extérieur. On veut une communauté soudée, des filles qui s'entraident et qui se poussent aller vers le haut. Non pas pour s'affiner, mincir, ça c'est la première étape. Ça, on se sent bien dans le miroir. Mais surtout derrière, ce qu'on veut, c'est tout simplement aller vers une vie qui nous inspire. Et pour aller vers cette vie, faut avoir confiance. Il faut être solide, il faut avancer. Tu as déjà cet esprit de combattante. Maintenant, on va aller voir ensemble qu'est-ce que tu veux faire, quelle est ta mission de vie, vers quoi tu veux tendre, pour toi, mais également pour ton entourage, pour tes enfants, pour les personnes décédées, peut-être pour les personnes qui ne sont plus de ce monde-là et tu as envie de les honorer. Et c'est ce qu'on fait ensemble et on avance dans cette direction. Donc, ce que j'aimerais que tu fasses après cette vidéo, c'est peut-être mets-moi un commentaire si tu as une question juste en dessous, rejoins le challenge, je te mettrai le DG, ça va apparaître sur l'écran. Sinon, c'est en description juste en dessous. Je te dis à très vite et n'oublie pas, ne lâche rien dans ce que tu fais.